Je vais commencer par vous parler quelques généralités sur les tests de charge. Pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à mettre en place des tests de charge ? La problématique, elle est triple. D'abord, vous pouvez avoir envie d'anticiper sur des problèmes qui peuvent survenir plus tard en production, que ce soit l'occasion de la mise en place de nouvelles fonctionnalités, la mise en place d'une refonte d'architecture. Également, préparer certains événements. Par exemple, je ne sais pas, mettons que vous ayez vous montiez un site d'e-commerce et que vous savez que vous avez une campagne marketing qui arrive, vous pouvez vous attendre à avoir une explosion de votre trafic. Voilà, donc là, l'idée, c'est anticiper sur les problèmes qui pourraient survenir plus tard en production. L'autre point ensuite, c'est que vous pouvez avoir envie de reproduire des problèmes qui se sont produits en production, mais vous n'avez pas été capable de diagnostiquer, parce que, par exemple, vous n'aviez pas suffisamment de sondes, suffisamment de prises d'informations pour être capable d'analyser. Donc là, vous avez plutôt cherché à reproduire. Et puis, il y a un troisième point qui, en réalité, peut-être un des plus importants, c'est que pour mettre en place des tests de charge, il va falloir monter un environnement, il va falloir mettre en place des outils, il va falloir vous forcer à faire ça avant d'être le nez dans le guidon pour monter votre production. Et puis, mettre en place des tests de charge. Les tests de charge, c'est un process qui est itératif. Je vais en revenir là-dessus plus tard. Donc, si vous ne voulez pas perdre un temps dingue à chaque fois, redéployer à la main, remonter dans les environnements, les réinitialiser, etc., il va falloir automatiser. Et donc, tous ces process et tous ces outils que vous allez mettre en place pour monter les tests de charge, vous allez véritablement bénéficier ensuite, quand il va s'agir, de déployer et d'exploiter votre application en production. Vous allez dompter la bête en quelque sorte. Ensuite, parfois il n'est pas toujours facile de convaincre les gens quand même de l'intérêt de ces tests de charge. Souvent, moi j'ai évolué dans des projets dans lesquels effectivement il fallait aller se battre avec le management pour leur faire comprendre les enjeux de cette problématique. Et assez souvent, c'était une problématique qui avait tendance à passer à l'as. Mettons que le projet soit contraint par les délais, les deadlines se rapprochent. Le management commence un peu à réfléchir à ce qu'il va pouvoir dégager. Et plutôt que d'expliquer aux utilisateurs qu'on va dégager des fonctionnalités, on va plutôt rien leur dire et puis on va dégager des tests. Et tant qu'à dégager des tests, on va dégager un premier test de charge avant les tests fonctionnels. L'autre truc aussi, c'est que, comme je vous le disais, mettre en place des tests de charge, voilà, ça demande à s'outiller, c'est pas juste du développement, c'est pas juste rédiger un cahier de recettes sous Word et puis ensuite remplir des checkbox. Donc ça demande certaines compétences qui sont en fait des compétences dont vous allez avoir besoin pour votre prod. Voilà, ça peut faire un petit peu peur, on peut se dire, tiens, non, il va falloir, c'est vraiment spécifique, il me faut vraiment un super expert pour m'assister là-dessus, j'ai pas le temps d'en recruter un, j'ai pas le budget d'en recruter un à temps plein, c'est compliqué de trouver un prestataire extérieur. Moi, à mon sens, c'est pas une bonne raison. Et puis ensuite, on peut aussi minimiser les conséquences de problèmes de performance que peut rencontrer votre application. Une application qui se comporte mal en termes de performance, ça peut vouloir dire que vous pouvez vraiment dégrader votre business. Vous faites un site marchand qui a des mauvaises performances, ou sur lequel le site se met à tellement mouliner qu'il est impossible d'acheter dessus, vous allez dégrader vos ventes, vous allez dégrader vos rentrées d'argent. Également, un site qui n'est pas performant, pour faire en sorte qu'il tienne la charge, peut-être que vous allez tenter de faire du calling out. Plutôt que de faire tourner l'application sur un serveur, de mettre un load balancer et de mettre une demi-douzaine de serveurs. Ce qui veut dire que vous allez augmenter vos coûts opérationnels, parce qu'il va falloir les payer ces serveurs. On est en France, on est spécialiste de la grève, mais moi j'ai connu des applications dont les problèmes de performance dégradaient tellement les conditions de travail des utilisateurs que les utilisateurs sont mis en grève. Et c'était ça dans une banque. C'est pas vraiment le secteur dans lequel on s'attend à avoir des grèves. En tant que développeur, je comprenais à quel point les utilisateurs souffraient de cette application. À mésestimer les problèmes de performance de vos applications, vous avez vraiment d'endommager votre business. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin pour mettre en place des tests de charge? Vraiment, la première chose dont vous avez besoin, c'est des gens. C'est des intervenants sur votre projet, c'est une problématique qui, à mon sens, est vraiment pluridisciplinaire. C'est pas du tout l'apanage d'un super expert, de mouton à cinq pattes, qui a des connaissances sur tous les sujets. C'est vraiment, pour moi, c'est une mêlée.
C'est un scrum dans lequel doivent participer les différents intervenants du projet. Ça va être certes potentiellement des gens de la QA, des gens qui ont l'habitude au moins de monter des tests, de se poser, de prendre un peu de recul sur les fonctionnalités, d'envisager des use cases auxquels le métier ou les développeurs n'auraient pas pensé. Okay, c'est peut-être aussi des gens qui maîtrisent certains outils. Et à côté de ça, voilà, vos problèmes de performance, ils peuvent être dans l'application, donc vous avez besoin d'un coup de main des devs. Ils peuvent être dans votre base de données, vous avez besoin d'un coup de main des DBA. Ils peuvent être au niveau du réseau, ils peuvent être au niveau du système. Et puis vous avez aussi besoin probablement de vos analystes de métier, parce que c'est eux qui sont capables de dimensionner, d'avoir une idée de la volumétrie que votre application va devoir gérer, que ce soit en termes de data, que ce soit en termes d'utilisateurs concurrents, que ce soit en termes de pic soudain de charge d'utilisateurs. Vraiment, la première chose, c'est de se dire, voilà, les tests de charge, c'est une problématique pour toute l'équipe. C'est pas juste une problématique pour une petite équipe isolée dédiée aux tests de charge. Tout le monde devrait être partie prenante sur ce sujet-là. Ensuite, une fois que vous avez ces gens, cette équipe, vous allez pouvoir vous équiper. Il va vous falloir des outils. Grosso modo, deux types d'outils. Des outils de monitoring, des outils qui vont venir, des sondes qui vont permettre de prendre des mesures aux quatre coins de votre système, parce que mettre en place des tests de charge, l'idée, c'est pas écouler le système. Ça y est, on est content, le système est écoulé, bravo. L'idée, c'est de mesurer combien le système a tenu, et puis également d'être capable d'identifier les différents bouts des tremblements, d'être capable d'identifier pourquoi l'application a ralenti ou s'est écoulée, et puis corriger. Et ensuite, déployer le fixe, et puis faire l'idée que le fixe fonctionne. Et puis également, assez souvent, ça va être, un process itératif. On va tomber sur un premier bug de performance, on va le corriger, mais en fait c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Vous allez tomber sur un deuxième boulet de tremblement, puis un troisième, etc. Donc il s'agit d'itérer jusqu'à ce qu'on soit satisfait des performances, ou alors que ça devienne trop coûteux de corriger, parce qu'il faut faire par exemple complètement évoluer l'architecture. Voilà. Donc vous avez besoin de ce monitoring. Vraiment l'idée, c'est des tests de charge, c'est corriger, c'est améliorer. Et pour ça, il va vous falloir de la donnée. Et ensuite, vous avez besoin d'un injecteur, donc un outil pour réaliser des tests de charge. Alors c'est quoi ces outils? C'est des outils qui grosso modo permettent de simuler des grosses populations d'utilisateurs sur votre application, typiquement une application web. Alors attention, ce sont des clients de protocole. C'est pas des navigateurs, ils ne vont pas vous exécuter votre JavaScript, typiquement. Ils ne vont pas non plus vous appliquer vos feuilles de style CSS sur votre DOM, et puis déterminer quelles sont les règles de style qui matchent, et donc les ressources statiques qu'il faut télécharger, ce type de choses. Pourquoi? Parce que c'est trop gourmand en termes de mémoire et en termes de CPU d'exécuter en parallèle des milliers de navigateurs. Donc c'est vraiment des outils qui bossent au niveau protocole, donc typiquement du HTTP, qui vont essayer d'imiter au maximum le comportement des navigateurs en introduisant par exemple une gestion de cache, une gestion de cookies, pour autant ils ne vont pas être capables typiquement de vous exécuter votre JavaScript. Si vous avez une logique JavaScript qui est vraiment très riche, vous risquez d'avoir besoin d'en réimplémenter une partie dans le test de charge. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines technologies qui sont plus faciles à tester en charge que d'autres. Typiquement, toutes les technologies où il y a énormément de rendu qui est fait sur le serveur, ou alors qui mélange vraiment les problématiques du client et du serveur. Je pense à des technologies comme GWT par exemple, où vous avez plein d'ID dynamiques qui sont générées dans la payload, qui correspondent à des identifiants dans la page, qu'il va falloir capturer pour les renvoyer derrière. Les payloads sont vraiment compliqués. Plus vos payloads HTTP sont compliqués, plus le test de charge est difficile à mettre en place. C'est pour ça aussi que nos jours, quand on est sur des architectures plus RESTful, avec des payloads JSON, c'est beaucoup plus facile à tester, parce que c'est compréhensible aussi par l'humain. Voilà. Et puis là aussi, je vais me focaliser sur un type d'outil de test de charge qui permet d'implémenter des comportements riches utilisateurs. Pas juste ce que j'appelle les backers, c'est des outils qui permettent de patater une URL statique encore et encore. Je pense à des outils comme Apache Benchmark, comme Siege ou comme Verk. C'est des outils qui, moi, à mon sens, sont plus dédiés aux gens qui développent des stacks HTTP. Apache Benchmark, à la base, c'est un outil qui a été mis en place pour les développeurs d'HTTPD, pour tester les performances d'HTTPD. Quand vous avez vraiment une application avec une base de données, etc., vous avez besoin d'implémenter plus des comportements, dire que voilà, moi je veux, c'est pas une URL statique que je veux, c'est un enchaînement de séquences, c'est une séquence d'action avec des URL qui vont être complètement dynamiques. Et d'ailleurs, il faut qu'elles soient dynamiques, parce que assez souvent, si vous contentez de balancer la même URL statique encore et encore, ce que vous avez testé, c'est pas votre application, c'est vos caches.
Donc ce soit les caches, des caches web qui ont dans vos proxy ou des choses dédiées comme du Varnish ou du même cache libre. Ça peut être aussi les caches de votre base de données, ça peut être des caches applicatifs. Et puis si vous avez une application qui tourne sur une JVM, vous avez le Just-in-Time Compiler qui fait que votre code va s'optimiser de manière vraiment extrême par rapport au seul flow qui est pris dans votre code. Mais en réalité, ces optimisations, elles n'auront rien à voir avec le comportement de votre JVM en production. Et là, vous avez une dispersion statistique beaucoup plus importante. Voilà. Donc moi, quand j'ai lancé ce projet il y a à peu près 4 ans, il y avait déjà plein de solutions disponibles sur le marché, aussi bien des solutions commerciales que des solutions open source. Solutions commerciales, on pense tout de suite à LoadRunner, qui est un petit peu le père fondateur des outils de test de charge. C'est un outil qui est chez HP, qui coûte très très cher. Et puis l'outil de référence open source, c'est JMeter. Donc ça, c'est un outil qui tourne sur une JVM, qui est très orienté à interface graphique, qui a de ça un peu plus d'une dizaine d'années, mais qui est encore très actif. Et moi, à utiliser ces outils-là, j'étais très frustré de ce qu'on me proposait, de ce que je trouvais principalement dans le monde open source. Donc pas seulement JMeter, mais également d'autres outils. À la base, moi, je suis vraiment un développeur Java, j'avais des applications à développer et à tester. Et j'étais vraiment frustré pour plein de raisons que je vais vous décrire, ensuite. Mon premier point, il concernait vraiment la performance de ces outils. À l'époque, pour simuler des populations importantes d'utilisateurs et puis faire des traitements parfois assez riches sur les réponses, j'avais besoin de vraiment monter des clusters d'injecteurs, ce qui rendait d'autant plus compliqué la mise en place des tests de charge, parce qu'il fallait que je demande un environnement aux ops, donc ils tiraient déjà un peu la tête de devoir me donner des machines, mais je leur demandais en fait même le double de machines, c'est-à-dire un cluster pour héberger l'application et puis un cluster pour héberger l'injecteur. Donc ça rendait d'autant plus difficile la mise en place des tests de charge. Donc je trouvais bizarre d'avoir besoin d'autant de puissance, alors qu'au final, un outil test de charge, c'est pas quelque chose qui va dialoguer avec une base de données relationnelle, il n'est pas censé faire des choses vraiment très, très coûteuses. Donc en creusant un petit peu, je me suis intéressé à l'architecture de ces outils, et je trouvais que c'est souvent des outils dont les bases d'architecture ont été proposées il y a de ça plus d'une dizaine d'années. C'est pas comme ça qu'on redévelopperait ce type d'outils de nos jours. La première raison, c'est qu'assez souvent, ces outils sont implémentés sous la forme... Donc pour implémenter un utilisateur virtuel, ils instancient un thread dédié. Donc on a besoin, je sais pas si vous faites tous du Java ici, on a besoin de toute façon de thread pour faire de l'exécution concurrente. D'accord ? De toute façon, c'est indispensable, c'est vraiment la primitive dont on a besoin, en tout cas dans le Java, pour faire l'exécution concurrente. Le truc, c'est que sur une JVM, vous instanciez 50 threads, votre application, votre exécution va se dérouler de manière fluide, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous voulez instancier 2000 utilisateurs virtuels, donc vous instanciez 2000 threads dédiés, les choses vont beaucoup moins bien se passer. C'est assez facile à comprendre en fait. La première chose déjà, c'est que de toute façon, si vous réfléchissez un petit peu, à un instant T, vous ne pouvez pas avoir plus de threads qui s'exécutent que vous n'avez de cœur sur votre machine. Ouais, deux threads natifs en fait. Donc au-delà de ça, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est du time slicing. Donc de toute façon, ça ne sert à rien techniquement de vouloir rajouter des milliers de threads, parce que de toute façon, ils ne pourront pas tous s'exécuter en même temps. Ça, c'est une certitude. Et puis ensuite, y a de la fiction. Parce que vu qu'ils ne peuvent pas s'exécuter tous en même temps, il faut en gros dire un peu un thread, on le parque, on le met de côté, et puis on donne le temps de travail à quelqu'un d'autre, donc il faut recharger son contexte, faire ce qu'on appelle du context switching. Imaginez un petit peu un jongleur qui doit jongler avec 2000 balles. C'est un peu compliqué, et puis il y a de la perte de friction. C'est pas comme ça qu'on devrait développer des applications concurrentes de nos jours, on sait mieux faire. L'autre point ensuite, c'est qu'assez souvent, ces outils, ils étaient implémentés avec des IO bloquants. Ça veut dire que quand vous avez un thread, donc il y a un utilisateur virtuel qui va envoyer une requête, en fait il va se retrouver à bloquer en attendant la réponse. Donc en gros, c'est se tourner les coups. Imaginez, c'est un peu comme si vous aviez posté une lettre, vous savez que vous allez recevoir une réponse et vous attendez pendant une semaine devant la boîte aux lettres. C'est un petit peu dommage. En fait, le problème, il est même pire que ça, c'est que si vous souhaitez vraiment simuler des comportements utilisateurs, mais il va falloir implémenter ce qu'on appelle le think time, des temps de pause utilisateur, pour simuler le fait que l'utilisateur il va prendre connaissance de la page pour ensuite aboutir à une décision et puis faire l'action suivante.
Voilà, un utilisateur, ça n'a pas un temps de réaction d'une milliseconde. Donc, et puis c'est important ce temps de pause, parce que c'est ce qui va driver au final le throughput, le nombre de requêtes par seconde que va générer votre scénario fonctionnel. Donc, comment est-ce que ça, en Java, on implémente un temps de pause quand votre utilisateur, c'est un thread? Utilisez la méthode sleep. Donc, si vous regardez le taux d'occupation de vos threads, qui sont des ressources coûteuses en termes de mémoire, en termes de, voilà, d'orchestration CPU, quand vous regardez le taux d'occupation de ces threads, en réalité, dans ce type d'architecture, il est peut-être de 1%. Donc, vous avez 2000 threads, et puis en réalité, à l'instant T, vous en avez 99% qui se tournent les pouces. Voilà. C'est pas comme ça qu'on devrait concevoir des applications concurrentes de nos jours. C'est un modèle qui était pratique, cette manière d'avoir implémenté des choses qui était pratique il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Aussi, les enjeux en termes de trafic à l'époque n'étaient pas les mêmes. Donc, ces outils n'avaient pas besoin de simuler 1000 connexions concurrentes et 1000 requêtes concurrentes en même temps. Les trafics sur Internet de nos jours, maintenant, ils explosent complètement. Et les enjeux pour les tests de charge et pour les applications sont beaucoup, beaucoup plus importants, sont sans commune mesure avec ce qu'on avait il y a 10 ans. Donc, l'idée de Gatling, c'est de vous proposer une architecture beaucoup plus moderne. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une architecture qui est vraiment orientée message. Moi, ma connaissance, il y a deux types d'outils qui ont ce type d'architecture. Ben, c'est Gatling et puis c'est Tsung, qui est un outil en première langue. Donc, on a vraiment une architecture qui est orientée message, c'est-à-dire que nos threads, plutôt que ce soit vraiment l'implémentation de nos utilisateurs virtuels, dans Gatling, nos utilisateurs virtuels, ça va juste être des messages. Les threads, c'est juste des ressources techniques qui sont là pour faire progresser l'exécution des utilisateurs virtuels. Votre scénario, ça va être en fait un workflow qui va donc décrire un enchaînement d'actions, envoyer une requête, marquer une pause, capturer des éléments dans une réponse, etc. Donc ça va vraiment être un cheminement. Et puis, vous avez vos messages qui vont s'écouler le long de ce workflow. Et les threads, au final, c'est juste une ressource technique qui permet de faire avancer ces messages dans le workflow. C'est une ressource technique, c'est un détail d'implémentation. Ce n'est pas l'implémentation des utilisateurs virtuels. Voilà, donc nous, ce qu'on utilise, c'est un framework qui s'appelle AKA. C'est un framework qui est développé en Scala, donc qui tourne sur une JVM, qui propose aussi une API Java. Et c'est vraiment une API qui est très très performante. Donc c'est une implémentation, ce qu'on appelle le modèle des acteurs, qui est en gros vraiment c'est l'expression base de la programmation orientée message. En gros, un acteur, c'est une petite unité de traitement autonome qui est en frontal, pour simplifier, une queue de message, qu'on appelle une mailbox en AK, dans laquelle l'acteur va venir lire des messages et puis il va venir communiquer avec les autres acteurs par envoi de messages asynchrone. Donc imaginez, c'est ce qu'on fait aussi depuis très longtemps, c'est le même concept que quand vous avez des QGMS et puis des envois de messages asynchrones à droite à gauche. Voilà. Les concepts de base sont vraiment ceux d'une architecture orientée message. Donc ça, c'est pour tout ce qui est orchestration en Gatling. Sur tout ce qui est I.O., forcément, ça serait dommage d'avoir une architecture, une orchestration qui est asynchrone, et puis d'avoir des I.O. bloquants. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le framework Netty. C'est le framework I.O. en ce moment le plus populaire sur la JVM pour les gens qui ont vraiment besoin de faire des choses performantes. Imaginez un petit peu, c'est le moteur qui propulse Twitter, c'est le moteur qui propulse des frameworks comme Play. C'est également le framework I.O. qui propulse Cassandra. C'est également le moteur sur lequel sont implémentés la plupart des drivers qui tournent sur la JVM des différentes bases de données SQL. Je pense par exemple aussi au driver Mongo. Voilà. C'est vraiment un framework qui est assez incontournable. Donc là, l'idée de ces frameworks-là, pour un utilisateur, c'est plutôt que d'envoyer une requête et puis de récupérer directement la réponse. Soit vous récupérez un futur sur une réponse, soit vous enregistrez un callback et vous serez notifié de la réponse. Pour simplifier, c'est des choses qui sont implémentées au-dessus de l'instruction du code SSO. Voilà. Avec ce type d'architecture, vous êtes capable de générer un throughput vraiment important. Et puis vous n'êtes plus vraiment limité par le nombre d'utilisateurs concurrents. Au final, un utilisateur, c'est juste un petit espace mémoire. Ce qui va plutôt être important, en fait, ça va vraiment être vos I.O. Donc combien de connexions concurrentes vous voulez, à quel rythme vous voulez ouvrir et fermer de nouvelles connexions. Vous allez vraiment solliciter l'OS pour ce genre de choses, plutôt que vraiment toutes les ressources elles soient prises pour juste gérer de l'orchestration de messages. Donc là, vous voyez sur cet exemple, c'est un petit test que j'ai fait tourner sur ce portable-là. Voilà, on est à 50 000 requêtes par seconde avec 1 000 000 d'utilisateurs. Donc c'est des petites payloads. Le test était en local sur cette machine, donc ce qui veut dire que on était sur du localhost. D'un autre côté, après, ça veut dire qu'il y avait aussi l'application et l'injecteur qui étaient en compétition pour l'air source, pour le CPU.
et pour les ados. Donc, voilà, c'est un outil avec lequel vous êtes quand même capable de générer un throughput très très important. Ça ne va pas pouvoir entrer en compétition avec ces outils implémentés en C ou en C++, qui sont contraints de balancer des URL statiques. Mais il faut voir derrière que c'est un outil qui vient avec tout un tas de fonctionnalités en plus, qui permet de faire vraiment d'implémenter des comportements riches, donc tout ça, ça devrait être un coût. Mais vous êtes quand même capable de générer un throughput qui est vraiment important. Ensuite, mon deuxième point, il concernait vraiment l'utilisation que je pouvais faire de ces outils de test de charge. En général, la plupart des autres outils, ce qu'ils vous proposent, c'est une interface graphique qui est plus ou moins bien réussie, mais qui en général est extrêmement riche. Parce que vous avez potentiellement plein de paramètres à manipuler. Et puis le problème, c'est que ces outils à base d'interface graphique, moi, à mon sens, c'est pas adapté aux pratiques de nos jours. De plus en plus, on va chercher à intégrer les tests de charge dans le cycle de vie du projet, dans le développement logiciel. Essayer de les intégrer avec, par exemple, Jenkins, voilà, dans l'intégration continue. Donc, au final, les tests de charge, c'est des tests. Les tests, pour qu'ils aient de la valeur, il faut les faire tourner régulièrement, plutôt que de les faire tourner une fois tous les 6 mois et puis découvrir que vous avez des problèmes, alors que c'est beaucoup trop tard pour les corriger, qu'il y a un tel impact, voilà, que ça va être cauchemardesque. L'idée, c'est d'anticiper vraiment le plus en amont. Donc pourquoi pas, voilà, il faut traiter les tests de charge comme vous traiteriez vos tests fonctionnels, vos tests unitaires ou vos tests fonctionnels d'interface avec du Selenium. Au moins, essayez de les exécuter régulièrement. Et puis aussi, ça vous amène à les maintenir régulièrement. Donc ça veut dire être capable de gérer les sources de vos tests de charge comme des sources de code. Donc être capable de les versionner, être capable souvent de les refactorer, parce que vous allez probablement avoir des bouts de scénarios de tests de charge que vous allez avoir envie de mutualiser, de réutiliser entre différents scénarios. Par exemple, une phase de login, une phase de logout, ça ne sert à rien d'aller copier-coller partout. Vous allez probablement avoir envie de faire revoir ce que vous avez fait par un de vos collègues. Voire même, parfois, dans certaines organisations, vous avez une équipe qui est un peu dédiée tests de charge. Et moi, j'ai vu des organisations où les projets devaient passer commande de tests de charge à cette équipe dédiée, mais à ce moment-là, ça devenait, les tests de charge étaient complètement en boîte noire, parce qu'il y avait uniquement les membres de l'équipe de tests de charge qui avaient des licences pour l'outil. Et donc, ils pouvaient revoir, ils pouvaient consulter les tests de charge. Les projets, au final, ils avaient accès à qu'une seule chose, c'était le rapport PDF, au final. Ils n'avaient aucun moyen de valider que l'équipe avait... que le scénario faisait du sens, n'était pas bugué, etc. Voilà, donc, moi, ces approches par interface graphique, voilà, j'ai jamais trouvé ça très, très pratique pour ce cas d'utilisation-là. Il y a trop d'options, trop de paramètres à vouloir gérer, et puis au final, voilà, c'est une problématique qui est vraiment très technique et qui devrait fournir un mode d'utilisation qui est beaucoup plus proche de ce que nous, en tant que développeurs ou voilà, professionnels de l'IT, on a l'habitude d'utiliser, typiquement du code. Donc, certaines personnes vont me dire, oui, mais il y a aussi des fichiers, ces outils avec interface graphique qui vous fournissent aussi un fichier. Mais ces fichiers, c'est des dumps. C'est uniquement des fichiers de sauvegarde qui ont vocation à être rechargés dans l'outil. C'est pas des fichiers qui ont vocation à être manipulés par un humain. Aller gérer un conflit de merge sur un pavé de XML de 3 milliards, bon courage. Donc, l'approche que j'ai voulu proposer à travers Gatling, c'était vraiment disposer de code. C'est que vos scénarios, ça soit du code. Pour moi, ça présentait les avantages suivants. Vous allez pouvoir versionner, vous allez pouvoir refactorer comme vous voulez, vous allez pouvoir faire revoir par vos pairs, vous allez pouvoir mutualiser des composants. Vous allez pouvoir, assez souvent, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, à un moment, vous risquez d'être confronté à une problématique qui vous est assez spécifique sur votre application et qui n'est pas pris en charge nativement par l'outil. Donc, au bout d'un moment, vous risquez d'être amené à coder. Quand vous avez un outil qui vous propose une interface graphique, il va vous falloir copier-coller dans l'interface, dans une textbox. Avec une approche où vous avez plus du code, vous allez pouvoir coder nativement dans le même langage que de celui dans lequel vous avez exprimé le scénario. Donc en termes de maniabilité, moi je trouve beaucoup plus pratique d'avoir du code, c'est aussi parce que c'est mon background à moi, donc effectivement, Gatling c'est un outil qui s'adresse à des gens qui ont un minimum de background en termes de programmation, qui connaissent des bases de programmation sur un langage haut niveau. Donc ils savent typiquement ce que c'est qu'un appel de méthode, ce que c'est qu'une variable. Si vous n'avez pas ce minimum requis, utiliser quelque chose comme Gatling, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour mettre en place. Après,
quelqu'un qui a pas un très grand background voit ce type de scénario, voilà, il est capable de voir rapidement ce que fait ce scénario. Là, j'ai juste une petite simulation qui décrit un scénario que j'ai appelé simple, dans lequel j'exécute une seule requête, qui s'appelle home, qui tape sur une certaine URL, et puis je fais une validation sur la réponse, je vérifie que le statut HTTP c'était bien 200. Et puis à la fin, dans le setup, je dis je veux enregistrer, je veux injecter un utilisateur dans ce scénario, qui va venir dérouler ce workflow. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas une grande connaissance de Gatling, qui découvre ça pour la première fois, il voit tout de suite ce que ça fait. Donc nous, ce qu'on propose, c'est pas directement, on ne propose pas un langage de programmation dédié, ce qu'on vous propose, la première chose, c'est ce qu'on appelle un DSL. Donc c'est voilà, une sorte de langage naturel, en fait il y en a même plusieurs. Vous voyez, de quoi décrire l'orchestration, l'enchaînement de la séquence d'actions qu'on va vouloir réaliser, ça c'est avec ce qu'on voit notamment exec, la commande exec. Et puis ensuite, des protocoles, des DSL plus liés au protocole, assez souvent moqués sur le protocole. Donc si vous connaissez, si vous avez des bases de HTTP, dont vous allez de toute façon avoir besoin pour faire du test de charge, ben voilà, vous savez comment, vous voyez ça, vous savez facilement faire une requête GET. Faire une requête POST, ça en viendrait à changer le GET en POST ici. Voilà. Et on vous propose un DSL qui est vraiment riche, qui va vous permettre de faire plein de choses. Par exemple, on a ce qu'on appelle les checks. Donc les checks, c'est des composants qui vous permettent de faire de la validation sur les réponses, pour ben, vous assurer que vous avez bien récupéré la réponse attendue, et pas un chaos technique. Et puis c'est également ce qui vous permet de capturer des éléments dans la réponse, pour venir les sauvegarder, pour pouvoir crafter les requêtes suivantes. Je pense par exemple à capturer des tokens de sécurité, capturer des liens qu'on va vouloir ensuite crawler. On vous propose également des éléments de structure, de quoi faire des blocs conditionnels avec des ifs, faire différentes formes de boucles, faire aussi ce qu'on appelle des switches. En gros, ça permet de dire, c'est faire des débranchements dans lesquels je vais dire je veux 80% des utilisateurs qui vont à gauche et les 20% qui vont à droite. On vous propose aussi de faire de la reprise sur échec. Donc c'est pour dire par exemple, imaginez que vous avez une application qui nécessite de s'authentifier, et puis à forte charge, même le login il va commencer à se dégrader. Les utilisateurs vont commencer à avoir des chaos. Un utilisateur, il ne va pas abandonner dès le premier échec. Assez souvent, il va réessayer un certain nombre de fois, quitte à en fait, générer un effet boule de neige, et encore plus dégrader la situation, en s'excitant, en essayant désespérément de pouvoir, que ce soit valider son paliné, que ce soit réussir à s'authentifier. Donc ça vous permet d'implémenter ce genre de choses, des retentatives. Ensuite, il y a par exemple ce qu'on appelle les feeders. Les feeders, c'est ce qui vous... En gros, c'est des sources de données qui vont permettre d'injecter des données spécifiques dans chacun de vos utilisateurs pour qu'ils n'aient pas le même comportement, pour faire éviter ce que je vous disais tout à l'heure, éviter de tester vos caches. Donc ça peut être simplement un fichier avec des credentials, des logins mot de passe pour vous assurer que tous vos utilisateurs virtuels ne se logent pas avec les mêmes credentials. Ça peut être aussi des données fonctionnelles pour dire, pour remplir des formulaires, pour sélectionner des entrées dans des champs de recherche, etc. Et puis il y a ensuite ce qu'on appelle les assertions. Les assertions, ça vous permet de définir des critères d'acceptance sur votre test. Dire par exemple, je veux que mon test, le 95e percentile sur les temps de réponse soit inférieur à tel seuil. Et si jamais cette condition n'est pas respectée, par exemple dans Jenkins, je vais pouvoir dire que mon build est failli. Le langage dans lequel on vous propose d'écrire ces scénarios, c'est un langage qui s'appelle Scala. C'est un langage qui peut faire peur à beaucoup de monde, notamment du monde des gens qui viennent du monde Java. Il n'y a pas vraiment de quoi prendre peur en fait, et puis de se faire des nœuds à la tête. Première chose, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Scala, c'est un langage qui est relativement proche de Java, d'autant plus que dans Java 8, on a les lambdas qui sont à l'époque. C'est un langage qui est à la fois orienté objet et à la fois fonctionnel. Donc une fois que vous avez compris ce que c'est qu'une fonction, qui n'est rien d'autre, ce qu'on fait par exemple en Java depuis très longtemps avec des classes anonymes, ou du design pattern stratégique, c'est exactement la même chose, c'est juste passer un bout de code, l'encapsuler pour qu'il soit exécuté ailleurs. C'est pas méchant. De toute façon, pour vous servir de Gatling, au départ, vous n'avez pas besoin de vraiment avoir des connaissances en Scala. De toute façon, vous n'aurez probablement jamais besoin d'être vraiment un vrai développeur Scala, à moins de vous lancer dans des choses comme implémenter le support pour votre propre protocole spécifique. Mais a priori, ce n'est pas du tout des choses que vous allez être amené à faire. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous risquez d'avoir envie de regarder le premier chapitre d'un tutoriel débutant pour Scala.
pour voilà, être sûr de la syntaxe, comprendre deux, trois trucs. Et voilà. C'est... En une demi-heure, vous avez fait le tour de ce que vous avez besoin de connaître de Scala à travers un tutoriel débutant pour vous en sortir dans Getling, pour, un pour une utilisation déjà un peu avancée. Le point suivant, c'est un des points peut-être les plus importants. C'était sur les métriques que me donnaient les autres outils. Comme je vous disais, l'idée du test de charge, c'est mesurer, c'est vérifier que l'application, elle remplit bien les objectifs de performance tels qu'ils ont été établis par le métier. Et assez souvent, c'est cette problématique de mesurer, cette problématique de métrique, elle est assez mal connue dans notre métier, dans notre industrie. C'est assez surprenant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Je suis sûr qu'il y en a un parmi vous qui le connaissent. Sam. Voilà, ce monsieur, il s'appelle Giltini. Giltini, c'est le CTO d'une boîte qui s'appelle Azul System. C'est une société qui commercialise une JVM spécifique, donc qui n'est pas HubSpot, donc c'est une JVM qui est payante. Son principal marché, c'est le trading haute fréquence. Donc ils vendent une JVM qui est en gros extrêmement performante, avec très très peu de pauses. Et son problème, c'était pour convaincre les gens que son produit était vraiment très très bien, ce qui est le cas. Il avait besoin de convaincre les gens que la manière dont ils mesuraient notamment les temps de réponse était mal adaptée. Souvent que les gens le faisaient mal. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve à donner des conférences, à développer des outils pour permettre aux gens de convenablement mesurer les temps de réponse et puis avoir compris vraiment comment est-ce qu'il fallait aller de mesurer les temps de réponse pour que les gens se rendent compte que son produit effectivement est bien. Et le constat est assez dramatique. Il donne une conf assez régulière. Là, je vous ai mis l'URL, je vous ai mis une tiny URL. Ça c'est une conf qu'il a donné à Strange Group, il l'avait donné à Devox, à la dernière édition, à Devox France, c'est la dernière édition. C'est une conférence qu'il appelle le Oshit Talk, parce qu'assez souvent, au milieu de la conf, il y a déjà la moitié de la salle qui a envie de se lever pour retourner au boulot, pour essayer d'aller corriger tout ce qu'ils ont mis en place, notamment les gens de l'exploitation, les gens qui mettent en place des solutions de monitoring, les AppDynamics, les Dynatrace et compagnie, parce que ces outils-là ne remontent pas de bonnes métriques. Assez souvent, par exemple, vous allez voir un outil qui va vous donner une courbe avec vos temps de réponse. Une courbe unique avec des temps de réponse, voilà un joli petit trait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque instant T, tous les temps de réponse, vous avez peut-être envoyé 1000 requêtes dans cette réponse, et toutes, ils ont eu exactement le même temps de réponse? Bien sûr que non. Donc ça veut dire que cette ligne dont le nom est temps de réponse, en réalité, c'est la moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire d'une moyenne en réalité? Regardez une distribution comme ça. Vous avez 50% de vos utilisateurs qui sont très contents et 50% de vos utilisateurs qui sont mécontents, qui rencontrent de mauvais temps de réponse. Si vous contentez de mesurer votre moyenne, ça vous allez complètement passer à côté. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez 50% de vos utilisateurs qui râlent. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que vous perdez 50% de votre business. Parce que vous avez 50% d'utilisateurs qui disent « je ne retourne plus jamais sur ce site-là, c'est juste insupportable de s'en servir, c'est lent, ce n'est pas agréable. Voilà. » Vous pouvez aussi regarder les minimums et les maximums, surtout le maximum. Mais veut dire, si vous mesurez juste votre moyenne et puis votre maximum, c'est très facile d'être tenté de dire « ok, le maximum il est là, mais allez, on se doute que ça arrive une fois sur 10 000 ». Et que voilà, statistiquement, on ne peut pas être bon tout le temps, mais voilà, c'est un artefact, c'est juste un point complètement isolé, voilà, et puis ben, tant pis pour cet utilisateur-là. Mais en fait, vous n'en savez rien, ça c'est juste une supposition confortable que vous faites, vous n'en avez aucune idée. Alors il y a des gens qui vous disent, oui mais attendez, moi je suis capable, mon outil me donne en plus une autre métrique, en plus de la moyenne, c'est quelque chose qui s'appelle l'écart-type. L'écart-type, mon petit souvenir de maths, grosso modo, c'est quelque chose qui décrit l'éloignement de mes points par rapport à la moyenne. Sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, cette information-là, elle fait de sens que lorsque vous avez une distribution normale, donc ce type de cloche. Malheureusement, dans la vraie vie, votre distribution, c'est jamais ça. Regardez ces différentes distributions-là, elles ont toutes la même moyenne et toutes le même écart-type. Pourtant, elles n'ont absolument pas la même tête. Absolument pas capable, juste sur la base de la moyenne de l'écart-type, de déterminer quoi que ce soit.
sur la distribution réelle de vos temps de réponse. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est vous dire, mais voilà, quand, en général, quand est-ce que je suis bon, ok, mais quand je suis mauvais, à quel point je suis mauvais? Est-ce que c'est juste vraiment de temps en temps, et puis ben, tant pis, voilà, tant pis pour cet utilisateur-là, trop compliqué à investiguer, tant pis pour lui. Ben voilà, je m'assois dessus et puis je fais avec. Ou alors est-ce que j'ai 50% des utilisateurs qui sont mécontents? Donc, ce à quoi vous risquez de vous intéresser en fait, c'est plutôt les percentiles. Donc les percentiles, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais grosso modo c'est les seuils. Ça consiste à dire, ben, par exemple, 95e percentile, c'est la valeur en dessous de laquelle se situe 95% de vos valeurs. Le 100e percentile, c'est le maximum. Le 50e percentile, c'est ce qu'on appelle la valeur médiane. C'est la valeur en dessous de laquelle se situe la moitié de vos valeurs. Voilà. Et puis, c'est, en fait, ces percentiles, il ne faut pas non plus juste vous dire, bah, je vais me contenter de mesurer le 95e percentile. Comme ça, je sais, voilà, 95% du temps, je suis bien. Oui, mais comment ça se passe pour le 5e% restant? Est-ce que je suis en train de perdre tous les jours 5% de chiffre d'affaires juste parce que j'ai un bug de performance, que je n'ai pas pris la peine d'investiguer? Et je suis même pas convaincu que j'ai un problème de performance. Donc, regardez vraiment vos distributions. Voilà, avec Gatlin, on propose ce style de courbe où on voit voilà, les différents percentiles et la distribution, ces percentiles en fonction du temps. Donc vraiment, il ne faut pas faire de suppositions sur vos distributions, il faut vraiment les mesurer. Donc essayez de trouver des outils qui vous proposent ces percentiles, pas qui vous proposent juste une valeur moyenne, voire même un écart type. Voilà. La moyenne et l'écart type, c'est des valeurs qui sont très faciles à calculer. Voilà, il y en a un, c'est une somme, le c'est une racine de carré de somme de carré. C'est très facile à calculer en termes de CPU, en termes d'espace mémoire. Ça ne coûte rien. Ce qui fait que c'est très facile à mettre en place dans n'importe quel outil. Là où mesurer des percentiles, c'est déjà beaucoup plus compliqué et plus gourmand. C'est ce qui fait que ce n'est pas mis en place dans la plupart des autres outils. Et que notamment bah, tous les outils commerciaux, bah, tout ce que je vous raconte, ils ont tendance à passer sous silence. Parce que ça leur demanderait un certain investissement pour le mettre en place. Et même quand vous avez un outil qui vous propose des percentiles, vous avez intérêt à regarder comment est-ce qu'ils sont implémentés. Je vous donnerai pas nom, mais voilà, il y a un outil de test de charge commercial qui est assez utilisé. Qu'est-ce qu'il fait ce petit malin? Ben en fait, il calcule au fur et à mesure, il mesure la moyenne et l'écart type. Il suppose que vous avez une distribution normale, et puis ensuite derrière, il vous donne les points sur la courbe. En fait, là, vous n'avez rien mesuré. La distribution qu'il vous donne, les percentiles qu'il vous donne, ils sont complètement fous. Il n'y a aucun moyen de savoir que... Enfin voilà, cette implémentation-là, elle est bidon. Vous trouvez aussi d'autres types d'implémentations. Par exemple, donc, si vous voulez calculer vraiment la valeur exacte de vos différents percentiles, il vous faut mémoriser, enregistrer toutes vos valeurs, et puis quand vous avez envie de faire votre mesure, trier toutes ces valeurs, et puis commencer à compter. Dire, ben voilà, j'ai 100 valeurs, donc je vais aller jusqu'au rang 95 dans mon tableau. Donc, si vous mesurez énormément de données, ben tout ça, ça prend énormément de place en mémoire. Donc, on voit des implémentations, par exemple, qui utilisent une fenêtre glissante. C'est-à-dire dire, ben plutôt que d'avoir une mémoire qui va grossir, je vais juste amener un tableau de 200, et puis à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que... quand j'ai une nouvelle valeur qui arrive, c'est une queue, en fait, elle va dégager les valeurs les plus anciennes. Donc mettons qu'avec ce type de système, vous mesurez, par exemple, vous avez une fenêtre de taille 200, mais vous injectez 1000 requêtes par seconde, ce qui se passe, c'est que vous allez perdre les premières 800 requêtes. Donc en gros, les 80% de la seconde, si vous mesurez toutes les secondes. Donc si ça se trouve, vous allez complètement passer à côté de vos différents pics. Il y a aussi d'autres stratégies qui consistent à faire l'échantillonnage et puis de dégager de manière aléatoire, de garder de manière aléatoire que 5% des données. En quoi est-ce que c'est statistiquement juste, ça? On n'en avait aucune idée. Voilà, donc si vous cherchez une implémentation en Java qui vous permet de mesurer l'économie des percentiles, grosso modo il y a deux librairies. Vous avez HD Histogram, qui est une librairie développée par Guiltini, la personne que je vous mentionnais tout à l'heure. Vous avez aussi une autre librairie qui s'appelle T-Digest. Grosso modo, HDR Histogram est très rapide, mais très gourmand en mémoire. Et T-Digest est beaucoup plus lent, mais beaucoup moins gourmand en mémoire. T-Digest, c'est par exemple la librairie qui est utilisée dans Elasticsearch. Donc vraiment, voilà, dans Gatling, je voulais proposer quelque chose qui...
des métriques qui fassent du sens, donc des percentiles, avoir une vision sur les distributions des percentiles, etc. C'est un dernier truc aussi sur, sur aussi la mesure des métriques. Mettons que vous ayez un outil qui effectivement mesure toutes les secondes, qui va mesurer par exemple une vingtaine de percentiles. Donc vous dites tous les secondes j'ai une belle distribution de mes percentiles, j'ai une bonne idée de ma distribution de temps de réponse. Et puis vous pushez tout ça dans un outil. Les outils qu'on utilise en ce moment, tous les outils Type Series, je pense aux outils comme Graphite ou comme InfluxDB. Et puis vous dites ensuite, je vais construire un joli dashboard dans lequel je vais dessiner mes différents graphes, mes différentes courbes, et je vais montrer l'évolution des différents percentiles au cours du temps. Il y a un problème fondamental en fait dans ce raisonnement-là, qui est que qu'est-ce qui se passe quand vous allez afficher un graphe. Mettons que dans votre graphe, vous avez un certain nombre de pixels, vous allez afficher un certain nombre de points. Mettons 100 points. Qu'est-ce qui se passe si le graphe que vous cherchez à afficher, en fait, il correspond à une plage de temps qui est plus importante que 100 secondes. Donc, sur cette plage de temps-là, vous avez, en base de données, vous avez un millier de points. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est pour chaque calcul et chacun des points, l'outil va venir vous faire une moyenne. Vous allez faire des moyennes sur des percentiles. Pareil, si vous voulez avoir le percentile au global sur toute votre période, voilà, j'ai fait tout mon test de charge qui a duré une heure, quelle est la distribution globale de mes percentiles? Ben là, en fait, il va vous faire une moyenne de vos percentiles. Et mathématiquement, c'est complètement faux. Rappelez-vous, le centième percentile, c'est le max. C'est comme si vous me disiez, j'ai un maximum à chaque seconde, je vous demande de dire quel est le maximum sur toute la durée, et vous me répondez, c'est la moyenne. Ben non, c'est le maximum des maximums. Donc, voilà. Malheureusement, avec tous les outils de monitoring que vous utilisez à l'heure actuelle, vous avez tout le temps ce souci-là. Ce n'est pas seulement une problématique des outils de test de charge, c'est aussi une problématique de tous les outils de monitoring. Que ce soit les outils open source, à la Graphite, à l'InfluxDB, à l'OpenTSDB, etc. ou les outils commerciaux. Voilà. Il y a aussi encore un dernier problème qui est, vous allez mesurer des événements avec des durées. Le problème, c'est que vous allez très souvent, ces outils-là vont enregistrer dans la base de données par rapport à la date de fin de l'événement. Sauf qu'en fait, il faudrait les enregistrer et les corréler les événements ensemble par rapport au début de l'événement, pour être capable de détecter tous les événements qui ont la même origine. Vous avez un hiccup, vous avez votre système qui commence à freeze à un moment. Ce que vous voulez, c'est voir toutes les requêtes qui ont été envoyées à ce moment-là et qui ont subi la pause. Sinon, après, en fait, vos événements qui ont été dégradés, ils vont se retrouver lissés, éparpillés un petit peu dans le temps, parce qu'ils vont être enregistrés par rapport à leur temps d'arrivée. Voilà. Donc, il y a un vrai problème à l'heure actuelle de mesure de la qualité de la performance dans tous les outils dont on dispose. Donc, dans GetLib ensuite, on vous propose un écosystème qui est assez riche. On supporte pas mal de protocoles différents. Donc certes, voilà du HTTP, mais aussi tout un tas de protocoles qui sont un peu des surcouches au-dessus de HTTP, comme les WebSockets, comme Server Side Event. On travaillera, je pense, en 2016 sur HTTP2. On propose aussi un support pour JMS, qui est l'API standard de messaging en Java. Pas mal d'intégration avec tous les outils du monde Java, donc Maven, SBT. Il y a également un plugin officieux pour Gradle. D'autres supports pour d'autres protocoles, par exemple CQL pour Cassandra, qui a été développé par Pelican DataStacks. Des supports pour MQP, pour RabbitMQ. Une intégration dans un plugin pour Jenkins pour intégrer Gatling dans votre intégration continue et pouvoir avoir des débuts de tests en tendance pour être capable, même si vous n'êtes pas capable de monter une plateforme qui soit véritablement à l'échelle de votre production pour simuler au quotidien, exécuter au quotidien des tests de charge, peut-être que faire des tests à l'échelle sur une plateforme peut-être deux fois moins mais avec deux fois moins d'utilisateurs et les faire tourner en continu ou voir au moins toutes les nuits, ça permet d'avoir une baseline et parfois d'être capable rapidement d'identifier des problèmes, des régressions en termes de performance. Voilà. Bon, si vous avez des questions plus tard qui viennent en tête dans la soirée, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis je vous laisse profiter du fabuleux buffet que vous a offert par Le Bon Coin. Et comme...